وقيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدو بايك مولم أدو بايك مولم أولا قوتي ريوا جماعة أدو بايك مولم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جماعة هل يكفي أن تبقى فولا؟ الحمد لله Je demande à toute l'assise de répéter avec moi, s'il vous plaît, Alhamdulillah, et cette fois, et je vous expliquerai pourquoi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Je tenais à remercier Allah avec tout le monde ici parce qu'aujourd'hui il s'est passé quelque chose. J'ai prié pour le moment tout à l'heure, qui se sont occupés de la cuisine. Il y en a qui travaillent depuis une semaine pour que la cuisine, et surtout pour que la soirée soit belle, et que nous soyons tous contents d'être là, de bien manger tout à l'heure, que nous avons mangé déjà pour après le Maghrib. Et nous mangerons encore tout à l'heure. Et pendant tout ce préparatif, aujourd'hui, il s'est passé, on a eu un incident qui aurait pu être très très grave aujourd'hui au niveau de la cuisine. Et Alhamdulillah, ça a été bénin. Et la sœur, en fait, qui est touchée, je souhaiterais à ce que nous fassions tous Inna Arbe Inna pour elle, pour qu'il n'y ait pas de séquelles derrière, en fait. بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطينا الكوثر فصل لربك والنهار إلا الشارع يقطع Et c'est pour ça que je tenais à remercier Allah, car puisque Allah offert pour nous le tout honneur. On ne sait pas ce qui serait passé, peut-être que si c'était pire, vous serez là ce soir et vous dira malheureusement on ne peut pas animer la soirée. Donc Alhamdulillah. Et par ceci, j'en viens aussi à dire que chaque année, nous demandons à ce que les personnes volontaires nous rejoignent pour donner un coup de main. Normalement, ils font la cuisine sans vouloir les vieillir. Je dirais, la moyenne d'âge est 50 ans. Et donc, on me corrige, on me dit la moyenne d'âge c'est 60 ans. Nos papas qui préparent tout ça, la moyenne d'âge c'est 90 ans, papa. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas normal que nous autres jeunes, que nous soyons là et que nous venons juste quand tout est fini et que nous ne venons pas pour aider. Ce que nous faisons ici, nous le faisons pour personne. Je dis bien, nous le faisons pour personne. Nous le faisons pour nous-mêmes. Nous avons prié tout à l'heure pour toutes les frères et sœurs qui ont fait ou qui ont animé cette soirée avec nous et qui ne sont plus aujourd'hui sur terre. Il sera ainsi pour nous autres demain. Nous nous rappellerons de chacun de nous. Nous avons assisté à cette prière. Et donc, je souhaiterais qu'il y ait des volontaires au niveau des femmes. Vous pouvez vous rapprocher pour laisser votre nom et en vous inscrivant en tant que volontaire pour donner un coup de main. Sachez que nous organisons cette nuit pour plusieurs raisons. La première, c'est se retrouver et communier ensemble. Je pense que tout le monde et d'accord, nous sommes tous d'accord pour dire que se retrouver comme ça entre nous, il n'y a rien de plus beau. Et donc nous devons tout faire pour pérenniser cette organisation. Et donc j'en appelle encore à tout un chacun, que ce soit nos jeunes dames, nos jeunes sœurs,
aux jeunes frères ou mes grands frères ici, parce que je suis plus jeune que tout le monde, s'il vous plaît, je vous demande de nous aider. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons souvent avec un petit groupe à faire trop de choses. Or, si nous sommes nombreux, ça ira plus vite et tout le monde aura les bénéfices. Il en est de même pour la partie financière, où aujourd'hui, nous sommes chaque année dans nos limites. Pour info, sachez que cette salle, elle se loue à plus de 3000 euros. Rien que la salle. Donc imaginez bien que quand quelqu'un donne 20 euros, 30 euros, 20 euros, il en faut combien pour payer rien que la salle. Donc c'est pour ça que quand on demande une participation financière, soyez généreux, s'il vous plaît. Soyez généreux car on le fait pour personne, je le dis, on le fait pour nous-mêmes. Celui qui donne à moi recevra plusieurs et recevra au centime. Nous avons annoncé l'année dernière la création d'une association Oluwatoa. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est que Oluwatoa? Nous sommes combien à pouvoir donner une réponse? Est-ce que je peux trouver une personne qui pourra me dire qu'est-ce que c'est que Oluwatoa? J'ai ma jeune sœur là-bas qui veut parler. Allahu Akbar. Dieu nous suffit. Alors, elle a donné l'explication littéraire de Oluwatoa en Yoruba. En fait, ce que j'attendais plutôt, qu'est-ce que Oluwatoa représente pour nous? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une réponse? Oluwatoa, qu'est-ce que ça représente pour nous ici? Ah, donc voilà, Pidir Ami, Oliwello. Oluwatoa, c'est une association que nous avons créée afin que nous puissions organiser entre nous plusieurs événements qui seraient bénéfiques d'abord pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour les générations futures. Et donc, je pense que c'est une cause noble et que nous devons tous soutenir. Aujourd'hui, dans la mise en œuvre des actions de l'association, nous traînons beaucoup. Nous avons du mal à partir, nous avons du mal à prendre l'envol, sachant que nous avons des objectifs bien précis. Et encore une fois, j'appelle à peu près chacun de nous, sachez que Oluwatoa, c'est nous. Oluwatoa, c'est moi. Oluwatoa, c'est toi. Oluwatoa, c'est tous ceux qui m'entendent ici. Alors, je ne fais pas de différence parce que parmi nous ici, il y a bien des frères et des sœurs qui ne sont pas Yoruba. Ils sont également Oluwatoa. Et donc, je demande à ce que chacun se pose la vraie question. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici-bas? Quelle est l'action? J'ai l'impression qu'il y a nos sœurs qui parlent. Tout à l'heure, j'ai dit, toute femme qui parle, apparemment, son mari lui a fait quelque chose de pas normal. Est-ce qu'il y a des dames qui parlent encore? Donc, tout le monde est normal alors. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais tantôt, qu'il faudrait que nous nous acquérons chacun Oluwatoa. Parce que sur Terre, ici, un jour nous partirons. Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous avons fait? En dehors de, j'ai donné de l'argent pour que mes enfants aillent à l'école, je leur ai acheté une maison, je leur ai acheté une voiture, je leur ai acheté ci, je leur ai donné une éducation, je leur ai fait ci. En dehors de ça, qu'est-ce que nous aurons laissé pour nous-mêmes? Et voilà une occasion pour que chacun de nous puisse dire, j'ai contribué sur la voie d'Allah. Je laisse à chacun de méditer sur ça.
Et je vais laisser la parole à notre secrétaire général, Monsieur Daouda. Je suis occupé par ailleurs. En deux minutes, pour nous rappeler qu'est-ce que nous voulons faire de Hodwa Toa et qu'est-ce que nous attendons de chacun. Bonsoir à tous et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je vais prendre deux minutes pour expliquer les difficultés qu'on a par rapport à l'association Hodwa Toa. Nous avons deux difficultés qui d'ailleurs sont liées. On a les problèmes d'adhésion et les problèmes de financement. Et pour rebondir dans le sens de l'initial, on a un objectif. L'objectif a été présenté l'année dernière, je vais le rappeler ce soir, c'est-à-dire avoir un local pour nous, pour l'association Hodwa Toa, qui va nous permettre de se réunir de temps en temps, parce que pour l'instant, on le fait qu'une fois dans l'année. Et Isaac a rappelé tout à l'heure le coût de la location. Et si on essaie de s'organiser, les autres communautés le font, pourquoi pas nous? La diaspora béninoise, musulmane, a des compétences. Et alliée a des compétences. La question est de savoir comment s'organiser, comment faire en sorte que nous mettons cette compétence au service de cette diaspora. Ce soir, je viens m'adresser surtout aux jeunes. Je profite d'ailleurs pour rendre hommage aux aînés qui ont cette idée, qui ont jeté les bases. Maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de prendre les relais. De prendre les relais, Hodwa Toa, c'est le bébé de tous. C'est notre bébé à tous. Chacun, dans son coin, peut rajouter sa pierre à l'édifice. Il ne faut pas se dire, je ne peux rien apporter. Non, chacun peut y contribuer. Et je profite pour vous sensibiliser ce soir. Chacun de nous est un ambassadeur de Hodwa Toa. Autour de vous, parlez-en. Nous avons besoin de la contribution de chacun. Au rythme actuel, pour atteindre notre objectif, il va nous falloir 10 ans, voire 15 ans. Même 20 ans, ce n'est pas possible. Nous en avons les moyens. Et c'est la volonté qui nous manque. Je sais. Il y a des dames qui parlent derrière là-bas. Est-ce que vous avez repéré ou pas? Ah ok, on vient d'enchanger. Merci. On s'en occupe et on continue. Donc je lance un appel à toute la jeunesse. Je sais, le quotidien est difficile. C'est pour ça que on a besoin de tous. Plus on se rassemble, plus on se mobilise, mieux ça ira. Donc je vais profiter aujourd'hui. L'année dernière, nous avons distribué les fiches d'adhésion. Et cette année, je souhaite, pour ceux qui n'ont pas rempli, de se rapprocher de nous, afin qu'on vous la donne pour la distribuer. Aussi, effectivement, par rapport à nous, on a un programme on a un problème d'organisation. On le reconnaît volontiers. Parce qu'on a créé un groupe WhatsApp et on s'est aperçu en fait qu'il n'y a pas tout le monde. On a un fichier des adhérents. On est à peu près plus d'une centaine d'adhérents. Mais dans le groupe WhatsApp, on s'est rendu compte qu'on est une trentaine de personnes. C'est pas normal. On va y remédier dans les jours à venir. Et je pense que chacun de vous va recevoir un lien pour se mettre dans le groupe WhatsApp. Donc,
volontairement, justement. Mais j'espère que j'espère que vous allez adhérer à ce projet. Donc, enfin, pour terminer, je dirais ceci. Pour citer un auteur que je cite, je tairai le nom, dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. » Alayhi salam wa rahmatullahi. Shukran lakum jazakumullahu khair. Après ce que le secrétaire général nous a expliqué, je pense que nous avons tous compris. Donc il a rappelé les objectifs que nous avons. Et donc je demande encore à chacun de penser vraiment au loi toi. Tout à l'heure, il faut noter que nous avons déjà certains numéros de téléphone qui ne sont pas rajoutés. Donc comme il a dit tout à l'heure, on créera un lien avec ces numéros. Si certaines personnes sont nouvelles ici et qui sont intéressées pour être adhérents, vous avez pensé à nous laisser vos numéros de téléphone afin que nous puissions vous contacter derrière. Il y a un dernier point avant qu'on passe à la chose suivante, c'est la partie financière. Je voudrais demander à notre trésorier de nous faire un petit point sur la partie financière pour que nous soyons tous au courant. Ça prend une minute. Merci. Ça va le faire là. Merci, merci à nos mamans, à nos enfants, à nos papas. Pas très gentil, hein. Merci de venir toujours aussi nombreux et de nous faire confiance. Je voudrais ce soir vous dire, vous parler de l'état financier de notre association Ouattara. Sachez que la salle dans laquelle nous sommes ici nous coûte 3000 euros. 3000 euros. Et la contribution, la participation que nous avons apportée à ce jour n'a pas encore atteint 3000 euros. Voyez-vous, nous roulons à perte. J'en appelle donc à votre générosité, à votre sens de partage, d'adhésion, de contribution, d'appartenance à un groupe social qui est le nôtre et qui a mis à grandir au Ouattara. Au Ouattara de l'avenir. Au Ouattara a besoin de vous, de chacun d'entre vous. Et au Ouattara vous attend, parce que c'est ce bébé-là qu'on va vous laisser. Nous, on a été les promoteurs de ce bébé, mais il ne nous appartient pas. Il vous appartient à vous. Alors, j'ai parlé de ce que coûte la salle. Dans l'autre, nous avons un compte associatif. Ce compte contient aujourd'hui 3300 euros. Nous avons fait une quête tout à l'heure. Ça nous a rapporté au bas mot 1500. Ça n'est pas assez. On est vraiment loin du compte. Ça n'est pas assez. Nous avons l'objectif d'acquisition d'un centre pour vous, pour l'Ouattara, pour vous, qu'on va vous laisser. Et ça se compte en des centaines de mille. Si nous avons 500 000, ce n'est pas assez. À ce rythme, on ne va jamais atteindre. Il a dit 20 ans tout à l'heure, 20 ans pour moi, c'est trop peu. 50 ans, ça ne peut pas aller. Donc, on est plus nombreux que ça. On a des gens dans les familles, à la maison, il y en a pas mal de Béninois. On a besoin des gens qui sont qui ont des entreprises, qui payent des impôts. Vous pouvez nous faire des dons et faire des défalcations. Ok, je suis le financier, je ne parle pas beaucoup. Le communicant, c'est le secrétaire. Voilà ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, la contribution, la participation ne s'arrête pas ce soir. Ça peut continuer. Nous avons un compte. On va donner volontairement votre numéro de contact. On va vous envoyer des liens pour vous permettre d'intégrer au Ouattara, le groupe au Ouattara. Et vous aurez les coordonnées de notre banque et vous pouvez toujours faire des virements. Salam alaykoum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, bref, voilà, merci. Je voudrais juste compléter ceci. Quelqu'un veut parler apparemment. Oui, allez-y. Alors, c'est une question technique que vous posez. C'est-à-dire que le frère demande, par rapport à l'état financier et le projet,
c'est quoi le delta? Le projet qu'on veut faire sur la route des combien? Nous sommes à combien aujourd'hui? Je ne peux répondre avec précision puisque nous sommes en train actuellement de travailler sur un test plan pour trouver quel type de bien correspond à notre objectif et quel serait le coût de ce bien. Mais nous pensons aujourd'hui en prévision que ça va tourner autour de 500 000 à 600 000 euros. Et c'est un projet dans lequel nous mettrons des locations, des pièces locatives pour justement assurer la partie entretien. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à 600 000 euros et comme l'a rappelé le trésorier, nous en sommes à environ 3 000, le temps de retirer encore tout ce que nous avons dépensé ce soir. Donc voilà à peu près ce que je te réponds, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. La dernière fois, on m'a invité à une sortie et quelqu'un s'est levé, il a parlé. Et dès qu'il a fini de parler, et c'était dans un sujet pareil. Il a demandé qui parmi nous peut faire un don ce soir, mais un don qu'il n'a jamais fait. Parce qu'il souhaite que Dieu lui fasse quelque chose qu'il n'a jamais encore eu dans sa vie. Et pendant qu'il a dit ça, dans la foule, il y avait une personne qui s'est levée et qui a dit: je veux que Dieu me donne ce que je n'ai jamais eu en bonheur. Et elle a dit: je vous promets de faire un chèque de 10 000 euros. Et donc, je me dis, il paraît que nous sommes, nous les Béninois et alliés, nous sommes des pauvres. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes pauvres. Alors, pourquoi est-ce que nous avons donc du mal à avoir de l'argent? Et je poserai la question ce soir, et j'espère qu'il y aurait bien des gens qui voudront m'aider. Et surtout, qui veulent s'aider eux-mêmes. Car c'est pas moi qui fais, c'est Allah qui donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut être différent pour dire: moi je vais faire un don parmi nous ici? Est-ce qu'il y en a ici? Si cette personne veut rester dans la discrétion, vous avez vu tout à l'heure le trésorier, le secrétaire général, donc vous pouvez vous rapprocher des deux et leur remettre vos dons. Qu'Allah vous le facilite, Inch'Allah. Promesse de dons, merci. Qu'Allah, ça peut être aussi des dons directs aussi. Apparemment, il y a beaucoup de Béninois riches, même si je ne le dis pas. Qu'Allah vous le facilite, Inch'Allah. Qu'Allah vous le facilite, Inch'Allah. Qu'Allah vous le facilite, Inch'Allah. Beaucoup. Qui est là, il y a un match ou à you? Oh là là, il a un ami dans moi. Il m'a fait où? Il m'a oué, il m'a aidé à aller. Quand on peut dire, on a fait les concours. Allez, quand on fait que, puis, avoir un papa, puis, t'as pas moi encore. Habit à Bawa Yao. Wani Kasumarawa. Avant, quand on est moi encore. Tu m'as dit, tu m'as dit, belle, avant, quand belle, t'as un Wayao. T'as un homme, tu m'as dit, tu m'as dit, Amazé Dunyoni, alors ma sœur Bafoua, bismillah.